En fait, je suis assez fier, assez content aujourd'hui, puisque j'ai réalisé un perfect, hein, on appelle ça comme ça dans le domaine du lavage de vêtements. Je n'ai aucune chaussette orpheline. Vérifie, il n'y a pas de problème, ce sont bien des paires. Aucune chaussette orpheline. C'est un exploit qui n'arrive pas tous les jours dans la vie. Merci, je suis content. Fier, fier et content. ISO auto de merde, on se va tester hein, pour se rendre compte de la qualité ou pas. Je suis au 40ème de seconde à ISO 800. Là on voit la qualité du cadreur. Hop. On dirait que c'est en plein jour. En fait c'est pleine nuit en auto. Une qualité de merde j'imagine, dégueulasse. Par contre je vois mieux qu'avec mes yeux. J'ai ouvert à fond, 40ème de seconde ISO 3200. Oh putain c'est la nuit mais on dirait qu'il fait jour. Donc là je suis à ISO 400 les gars, j'ai ouvert à 2. Et j'ai envie de dire enfin, enfin les mecs ils attaquent le petit côté là. On est mi-mars, hein, je le rappelle. Voilà, bon, ils ont fait le tour. J'irai peut-être vous montrer que c'est propre. Qu'il y a le ravalement en bas aussi qui a été nickelifié. La boucle est bouclée. Mais on est mi-mars, ça a commencé. Chez les gens. S'ils ont pas fini aujourd'hui, c'est génial. On dirait Schwarzenegger dans le contrat. Je vais venir lui zoomer la pause. Il écarte bien. Là, on verra l'avancée au fur et à mesure et bien sûr j'oublierai de le faire donc on verra que le début finalement. Et peut-être la fin, quand je me rendrai compte que j'ai oublié de le filmer. On évoque rarement la poulie qui est quelque chose d'énorme et d'une simplicité comme vous pouvez le constater sur ces images évangéliques. Puis d'ailleurs on est en 2012, on a inventé plein de choses extraordinaires, de machinerie extraordinaire. Le mec utilise toujours une poulie. Merde, il a failli péter la fenêtre. Moi, c'est un truc qui me fascine, les échafaudages. Il y a un côté, ça fait peur. Et il y a un côté, il y a des petites techniques pour être sûr que ça tienne bien. C'est le bonhomme de Worms. Je savais pas qu'il y avait des Worms bleus là, tu vois. Vous voyez, je viens d'apprendre un truc. À quoi d'avoir deux chiens? Je supplie tous les dieux de la terre et du monde que ce chien appartient à quelqu'un d'autre. Faut ranger les mecs qui ont fait ça là. Regardez ouais, ce bordel, on peut pas rester comme ça là. Regardez, moi je peux prendre les pieds, je trébuche, ça c'est dangereux ça. Un enfant il se blesse, il peut se couper avec ça. Ah, elle aime bien. Je filme mon pauvre vieux. C'est ça la technologie. Ah, c'est bien, je fais ce que je peux. Il y a des téléphones d'heure. Et il y a pas. Bah, arrête, c'est vrai, comment faire? À cause que Yohan, il ne veut pas venir. C'est fou. Fin mars 2012, il y a toujours la branche. La vie a repris son chemin, regardez bien ici. Et voilà, comme dans Jurassic Park. La vie trouve toujours son chemin. Elle va rester bloquée à vie peut-être. Bravo au canard quand même. Parce que ça dure dans le temps, même si ça a l'air complètement foireux comme installation. Cette femme conduisait avec son chien sur les genoux face à elle. De plus, elle était en train de l'embrasser. Scandale. Dégueulasse, zoophile et complètement interdit, dangereux. Non mais c'est quoi ça? Elle avait un visage d'animal devant son visage pour conduire. Et en même temps... C'est l'image que je regrette le plus de ne pas avoir pu filmer. Faudrait que je fasse un dessin pour qu'on se rende compte. Vous voyez, ça exprime mon ressenti. Ça c'est le boulot de chantier le plus fun quand même. Les mecs font de l'aéroglisseur sur béton. Son petit pote là à droite. Tous les autres mecs sont jaloux parce qu'eux ils font leur petit délire. Ils ont pas le droit de montrer que c'est fun, mais à l'intérieur ils sont mordeurs.